en Mahout, pour prendre un exemple, pour vous parler un peu plus précisément de Mahout, je vais vous parler de clustering en Mahout. Alors, clustering, déjà, qu'est-ce que ça veut dire clustering? Clustering, c'est en fait quand on a un ensemble de points qu'on veut regrouper. Oula. Qu'est-ce qui. Personne ne joue avec une télécommande. Alors, clustering, c'est quand on a un ensemble de points qu'on veut. Une structure sous-jacente et qu'on veut regrouper automatiquement. Alors, il y a plein de cas possibles de clustering. Ça peut être utilisé pour du. Donc ça ressemble à ça. C'est par exemple si j'ai des personnes dans ma base de données. Là, c'est une vision deux dimensions, comme si j'avais deux colonnes. En pratique, j'en aurais 10 et ça va être en 10 ou 20 et ça va être en 20 dimensions, mais c'est plus dur à représenter sur l'écran. Donc désolé, j'ai fait ça en deux dimensions. Vous allez avoir le revenu, l'âge, et puis vous allez demander est-ce que j'ai des groupes de gens qui. Suivant le revenu, suivant l'âge, ont des revenus différents. Et donc, par exemple, on peut imaginer que je m'aperçoive que j'ai des petits jeunes qui n'ont pas beaucoup de revenus, des retraités qui n'ont pas beaucoup de revenus, et puis en fait, il y a les middle class qui ont de la chance, ils ont des sous, mais il y en a aussi qui n'ont pas de sous, même s'ils ont entre 30 et 40 ans, enfin, oui, un truc classique. Et un peu de vocabulaire, donc en fait, quand on va faire du clustering, on va souvent mettre des couleurs sur les clusters pour les représenter, pour représenter les gens qui font partie du même groupe. Et puis, quand on va travailler dans un espace dimensionnel comme ça, on va mettre un point qui va être au centre du cluster, qui va pouvoir, entre guillemets, résumer, on va appeler ça un centroïde. Et donc, les cas typiques de clustering, alors après, il y en a tout ça discutable, mais alors, quand on fait du data mining pour du CRM, ça va être trouver les gens qui se ressemblent du point de vue des comportements d'achat. Pour de l'image, ça va être trouver les images similaires comme vous avez dans Google Image. En cas de search, ça va être trouver les documents similaires ou regrouper les documents similaires pour pas qu'ils apparaissent plusieurs fois dans les listes de résultats et vous éviter d'avoir trop des informations redondantes dans les listes de résultats. Ça va être aussi dans du text mining pour aller découvrir automatiquement des sujets d'actualité ou des choses comme ça. Donc il y a plein de cas d'utilisation possibles. Alors, l'algo de clustering dans Mahout le plus simple, c'est ce qu'on appelle le K-means. En gros, le K-means, ça va consister à essayer de deviner un premier placement pour les centres des clusters, et après, assigner à chaque point de mon jeu de données à celui qui est plus proche, au centre qui est plus proche, puis après, de repositionner les centroïdes en fonction des points qui ont été mis dans le cluster, puis après, d'itérer là-dessus. Comme ça, c'est pas très visuel, donc je vais vous le faire comme ça en visuel. Donc là, par exemple, j'avais mes points, j'ai placé des centres, j'ai associé mes points à l'élément qui était le plus proche, et puis j'itère comme ça, pof, j'ai replacé le centre en fonction du cluster précédent, puis j'itère, puis j'itère, puis j'itère, comme ça. Hop. Et à la fin, du coup, j'obtiens un clustering possible. Alors, clustering, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas forcément d'évaluation évidente de est-ce que j'ai eu bon ou est-ce que j'ai pas eu bon, puisque finalement, je suis en train de regrouper des choses suivant une certaine notion. Et en particulier, en fait, quand on fait du machine learning sur ça, là, en 2D, c'est assez visuel, mais en fait, dans les cas réels, quand on travaille dans des espaces de dimension 15, en fait, etc., 20 ou 1000, tout ce qui est notion de distance, en fait, dans ces espaces-là, se passe en général plutôt différemment. C'est ce qu'on appelle le problème de la curse, je ne sais plus comment on dit ça en français. La malédiction de la dimensionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans des espaces de haute dimension, ça peut, suivant comment on choisit sa distance, il peut arriver très fréquemment que des points soient proches l'un de l'autre. Et donc il faut aussi choisir sa distance. Il faut, puis il y a des questions de performance, et puis aussi quel est le nombre de clusters qu'on veut à la fin. Est-ce qu'on veut plein de petits groupes de gens qui sont très proches, ou des gros groupes, etc. Enfin, il y a plein de... de choses aussi. Alors, Mahout, donc il y a pas mal de lits de clustering, et c'est assez complet de ce point de vue-là. En termes de challenge, pour vous y préparer, c'est vrai que quand vous allez faire du clustering en Mahout, vous allez devoir travailler pas mal sur préparer vous-même les jeux de données en écrivant du code Java pour, grosso modo, les repasser en flottant, les mettre dans le format d'entrée de Mahout. Et une autre limitation qui est en Mahout, je ne sais pas pourquoi je parle des limitations, vous parlez de ce qu'on peut faire avec, je vais avoir un biais d'ingénieur en fait, c'est que en fait,
les itérations que je vous ai montrées de type Kamins, en fait, on va les faire avec des jobs de MapReduce. Et donc, à chaque fois, on va lire des choses, on va les réécrire sur disque, plutôt que de les garder en mémoire. Alors que, en fait, dans plein de cas réels que vous allez vraiment traiter, en fait, bah, si vous avez un dataset de 10 Go ou 100 Go, en fait, en théorie, ça peut venir en mémoire sur si vous avez 3 machines. Donc, c'est un peu bête de le lire et de le réécrire à chaque fois que vous voulez faire une itération. Et 100 Go de données pour faire du clustering, c'est beaucoup, beaucoup de lignes, en fait. Parce que ça fait quelques centaines de. Enfin, je ne sais même plus faire la règle de 3, mais c'est quelques. Vous êtes plutôt déjà dans les ordres de grandeur de quelques centaines de millions de lignes, donc c'est déjà que vous avez beaucoup de données. Donc, le data processing ou clustering, en effet, c'est dans tous les cas, de façon comme on l'a mentionné, il faudra, quel que soit votre format d'entrée, vous ramener à un vecteur, c'est-à-dire en fait, un vecteur de manière très concrète, c'est-à-dire une ligne avec des flottants, d'une manière ou d'une autre à la fin, avec autant de colonnes qu'il y a de dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, si vous avez du texte à l'intérieur, et que vous avez un mot à l'intérieur de ce texte, en fait, ce mot va devenir une dimension dans votre espace final, en fait. Donc si vous avez plein de mots, ça fait plein de dimensions. En termes pratiques, quand on fait ça en out, en fait, quand on travaille le cas le plus... un cas assez typique de clustering, ça va être de prendre des documents en texte, par exemple, des news que vous aurez crevé, des choses comme ça, et de vouloir regrouper ces documents. Donc pour ces cas-là, en out, vous aurez déjà des commandes. Alors, vous aurez des utilitaires en ligne de commande qui vous aideront finalement à faire toute la tâche de préparation de données. Donc dans le cas de out, c'est un premier utilitaire pour passer des dex files et transformer ça en sequence file. Out. Une sequence file out, c'est quoi? Je ne sais pas si vous êtes familier avec Hadoop. Donc Hadoop a un format binaire particulier qui s'appelle sequence file. Et dans le cas de Mahout, c'est des sequence files Hadoop particulières dans lesquelles, en fait, la valeur qui est tenue dedans, c'est un vecteur, un objet Mahout qui est un vecteur de données qui représente une ligne de données. Donc ça va transformer les choses en sequence files, puis après ça va transformer ces sequence files pour en faire des vecteurs TF-IDF. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, quand on a la bonne dimension à prendre en compte quand on travaille sur des documents, c'est le ratio entre la... C'est un ensemble dans lequel en fait on a autant de dimensions que de mots, et où la valeur qu'on met dans chaque mot, c'est le ratio entre la fréquence du mot dans le document et la fréquence du mot en global. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, si on met n'importe quoi d'autre, par exemple juste le nombre d'occurrences du mot dans le document, en fait, le phénomène statistique, c'est que finalement, comme la distribution des mots est vraiment pas la même, en fait, dans un corpus, et qu'il y a des mots très très fréquents comme le lalet, et des mots pas très fréquents comme ornithorynque. Ou TF-IDF, sauf si vous êtes en train de parler de... Donc ces mots-là, en fait, finalement, il va se passer que si vous faites ça, si vous normalisez pas les choses correctement, les mots, vous allez avoir beaucoup de clusters avec qui vont se créer juste parce qu'ils ont le lalet à l'intérieur et qui vont pas... Et on ne va pas tenir compte proprement, finalement, du fait que, que les mots comme le lalet ne doivent pas vraiment compter pour le clustering, parce qu'en fait, ils sont tellement fréquents qu'il ne faut pas du tout les prendre en compte. Pour caractériser. Et après, si vous voulez... alors là, le petit biais, alors, quand vous faites du mahout, c'est qu'en fait, tout ce qui est, en effet, import de données, feature engineering, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, la meilleure documentation, c'est soit bien mahout in action. Alors moi, comme je suis un peu pingre, j'ai pas acheté le bouquin, mais donc je lis le code source. Et là, en faisant find usage avec les contrôle B avec votre éditeur préféré, vous pouvez commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pas mal commenté, par contre. Donc vous pouvez vraiment comprendre comment utiliser le système. Moi, c'est comme ça que je fais, de toute façon. Et donc, là, par exemple, vous pouvez trouver une classe cachée qui va contenir un utilitaire haute performance pour, à partir d'un dump de fichiers plats, vous constituer un vecteur que vous pourrez ensuite utiliser pour faire du clustering à partir de votre base de données. Et sinon, vous pouvez aussi le faire un peu comme ça en ligne de commande, mais ça risque de faire des... Quand vous le faites comme ça, par exemple, en fait, si vous travaillez sur quelques dizaines de mégas, ça va fonctionner, mais au-dessus de ça, vous risquez de faire des heap hierarchy exception, comme quelqu'un dans la salle est en train de dire oui de la tête, expérimentalement. Donc après, pour parler du clustering lui-même, alors ce qui est intéressant quand on fait du clustering, c'est que comme on ne sait pas ce qu'on veut faire exactement, on a plein de choix. Donc c'est ça qui est rigolo.
On peut vouloir, il y a plein de manières de faire des clusters qui vont avoir des formes, différentes en fait. Et suivant les cas qu'on a en fait quand on fait du clustering, c'est un peu comme si on faisait des hypothèses implicites sur la structure de, des données qu'on est en train de manipuler et qu'on voulait tester cette hypothèse sur la structure sur les données elles-mêmes. Donc on va voir le cas dans lequel on fait l'hypothèse implicite que la donnée en fait, bah, elle est organisée avec des petits tas de points qui sont en cercle. D'autres dans lesquels en fait les tas de points des fois ils sont pas en cercle, ils sont des fois en ellipse, comme ça. Parfois on se dit qu'en fait il y a une sorte de hiérarchie dans mes clusters, il y a des petits tas de points, puis après j'ai des tas de points de tas de points. Et donc je voudrais capturer ça. Il y a d'autres fois où je sais qu'en fait il y a des structures qui ne sont pas du tout de ce type-là, et que j'ai des sortes de spirales de clusters, etc. Et donc que ça va être plus compliqué, qu'il faut utiliser une technologie, une approche qui est potentiellement un peu plus compliquée, etc. etc. Alors juste pour vous donner, alors là c'est des exemples assez classiques, juste pour vous expliquer ce que ça veut dire en cas pratique, c'est que quand je vais faire l'hypothèse cercle, je vais avoir des clusters qui ressemblent à... Enfin, quand je fais l'hypothèse cercle que fait le Camille, je vais avoir des clusters qui représentent des cercles. Dirichlet, en fait, ça va représenter des... Mes clusters, en fait, ça va être des distributions gaussiennes avec des paramètres qui peuvent varier, en fait. Et en fait, c'est un peu comme si l'algorithme essayait d'apprendre si chaque ellipse devait être allongée ou pas, au fond. Fusique Amins, ça c'est aussi avec des cercles, mais simplement en fait, je vais avoir une variante de l'algorithme dans lequel en fait, je vais me laisser libre de penser potentiellement un point peut appartenir à plusieurs clusters. Et donc du coup, l'algorithme, au lieu de me dire qu'un point est à un cluster, il va me dire qu'un point a une bonne probabilité d'appartenir à celui-là ou d'appartenir à un autre. Donc suivant les cas, ça va être plus intéressant d'avoir ce genre d'algo. Ça en particulier. Alors par exemple ça peut être intéressant si vous voulez utiliser le clustering pour après avoir une sorte de mesure de distance simple entre de distance simple entre vos points un petit peu précalculée, ce qui peut être utile pour des cas search. Et après min shift, ça c'est assez rigolo comme algo. En fait c'est un algo qui va plutôt en gros il va il va faire l'hypothèse qu'en fait il y a des sortes de gradients de densité finalement entre les points, et puis en fait il va commencer par des petits il va commencer entre guillemets par des petits clusters, et puis en fait il va essayer de les... S'il peut, finalement, s'il y a une sorte de gradient de densité de points qui ramène les clusters les uns vers les autres, il va les agglomérer au fur et à mesure. Et ce qui après, là vous ne le voyez pas très bien, mais vous avez des couleurs de clusters rigolotes avec des clusters qui, parce qu'ils sont agglomérés au fil du temps, ne sont pas tout à fait ronds. Et alors, juste pour... Alors, Canopy, je vais expliquer le Canopy, mais c'est assez rigolo, parce qu'en fait, c'est assez intéressant de... Parce qu'en fait, à la fin, c'est vrai que dans les cas pratiques contre du machine learning dans Java de nos jours, c'est assez souvent parce qu'on le fait dans des use cases où il y a pas mal de... Il y a des gros volumes de données, en fait. Parce que quand on est dans des use cases à fort volume de données, il y a pas mal de flexibilité en Python et R qu'il n'y a pas en Java en termes de processing, de pré-processing de données. Et donc, quand on fait des trucs à gros volume de données, en Java, donc et en mammouth, ce qui est intéressant, c'est finalement qu'il y a déjà, en plus de la performance, il y a des optimes intéressantes pour le clustering qui sont mises en œuvre. Et donc là, je vais vous en présenter une qui est assez rigolote, qui s'appelle le Canopy. En fait, le Canopy, c'est bête, en fait, ça consiste à dire que potentiellement, le clustering Kamins, ça peut être un processus qui est assez long parce que j'itère et il faut que je recalcule la distance de chaque point avec chaque centroïde. Donc en fait, à la fin, ça me fait beaucoup de calculs à faire. Donc même si j'ai ma preduce pour paralléliser tout ça, ça me fait quand même pas la même chose. Avec le Canopy, en fait, on va faire une première passe rapide sur les données dans lequel, en fait, je vais prendre des points. Je vais prendre un point au hasard. Je vais regarder les autres points. Et si jamais ils sont tout prêts, ben, je vais dire que c'est bon, ils ont l'air d'être normal cluster, vu qu'ils sont vraiment tout prêts. Si jamais ils sont trop loin, ben, en gros, je suis à peu près sûr qu'ils ne sont pas dans le même cluster, donc ils ne sont pas dans ce canopy-là. Puis là, en fait, potentiellement, c'est des candidats. Et à la fin, en gros, ça va me faire une sorte de treillis de cluster potentiel que je vais pouvoir utiliser en input pour tous les autres algos de clustering possibles, en fait. Et j'aurais fait, en gros, une première passe de filtre en fixant les distances minimales et maximales de cluster, en fait. Et voilà, c'était tout. C'est tout et...
prend des questions avant d'aller manger. Et des questions. Bonjour. Bonjour. Ça, est un peu général en fait. Quelles sont les entreprises en France aujourd'hui qui font du data mining? Et quelles sont les entreprises qui connaissent le data mining, qui demandent ce service-là en fait? C'est une demande croissante. En tant qu'éditeur de logiciels de data mining, je le crois fortement. plus sérieusement, en fait, le fait de faire du data mining, c'est quelque chose qui est très répandu dans beaucoup d'industries, en particulier télécommunications, retail, les acteurs du voyage, depuis au moins 15 à 20 ans, en fait. Dans tout le domaine financier, etc. L'émergent, qu'est-ce qui se passe en pratique de nos jours? C'est que, en plus de ça, il y a beaucoup d'acteurs émergents dans ces secteurs, ou d'acteurs du web, qui font aussi du data mining, et qui du coup... C'est pas le business intelligent, c'est ça. Oui, oui. C'est le fait de faire du data mining, c'est-à-dire c'est pas le fait de faire des reports, d'avoir des bar charts ou des machins, c'est effectivement faire des prédictions, de sortir des scores sur mes clients, typiquement, pour déterminer à qui je vais envoyer des mails, à qui je vais envoyer des discounts, à qui il faut que je reste particulièrement attention, etc., par exemple. Ou comment positionner mon prix par rapport à mes compétiteurs. Donc c'est quelque chose qui est très courant et depuis relativement longtemps dans les domaines de la grande distribution, dans le domaine du voyage, dans la télécommunication. Dans quel domaine? Dans tout ce qui est biostatistique en fait. Depuis des années, ça fait beaucoup de data mining précisément. Et par contre, ce qui est émergent, c'est que il y a des volumes de données plus importants qui sont souvent issus du monde du online, du monde du web, du fait qu'on veut réconcilier en plus du parcours offline le parcours online dans lequel en fait il y a beaucoup plus d'événements. C'est pas forcément le temporel en tant que tel, c'est juste le fait qu'un acteur qui traditionnellement faisait du retail et qui avait juste l'étiquette caisse, maintenant il va pouvoir avoir et vouloir avoir le parcours des gens qui vont aussi sur son site en ligne, les gens dans le magasin, peut-être qu'il aura des retours un peu plus temps réel de l'achalandise effective dans le magasin et pas juste de l'état du stock et de l'état d'étiquette caisse, ce qui est différent en fait. Et donc c'est pas temps réel en tant que tel au sens du temps réel... au sens d'une file d'attente RabbitMQ, enfin c'est pas forcément ça la concrétisation du temps réel, mais c'est le temps réel au sens où il y a plus de données et parfois on va prendre la décision à J+1 ou H+1, c'est déjà bien par rapport à H+1. Les entreprises qui font ça, c'est la demande en France, après les entreprises spécialisées dans le data mining, comme vous, il y a beaucoup de concurrents. En France, il y a beaucoup d'entreprises existantes qui développent des pôles d'expertise en data mining. Qui font du data mining en tant que meilleur. Il y a plein d'entreprises qui le font en tant qu'usagers, qui le font parce qu'ils développent des algorithmes, comme les gens de la publicité. Il y a des gens qui font du service autour du data mining, c'est-à-dire qui ont des data miners en régie. Et voilà. Après, il y a quelques éditeurs. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux à faire du logiciel en France. D'accord. Une dernière question et puis... Non. Bon, écoutez...